comment ça va chez vous? Écoutez, ici ça va, il fait trop beau, ça fait plaisir parce qu'alors hier on a eu un temps tout pourri. Cette nuit c'était The Tempête. Il pleuvait, franchement c'était même plus de la pluie, hein, c'était des trombes d'eau qui tombaient. Donc voilà. Là avec, on est avec Maïna qui rentre de chez le docteur. Ouh là là, t'as le seuil de la figure, ma beauté. Elle a fait ses vaccins, petite beauté. Elle est très très jolie, cette beauté. On va couper. Donc voilà. Sinon, elle mesure 72 cm. Et elle pèse 8 kg. 400, il y a des bananes, je ne sais plus combien. 400, je ne sais plus combien. 30 ou 40, je ne sais plus. Et donc voilà, c'est très bien. Elle pousse bien. Et puis, au niveau motricité, c'est vraiment top. Donc en tout cas, voilà, on est content. On est content. Sinon, j'espère que vous avez beau temps, qu'il fait chaud. Non, j'espère que vous avez le soleil et qu'il fait bon. Parce que vraiment, là, même, on crève de chaud, quoi. Genre, j'ai juste un body, un pantalon, je crève de chaud. On sait plus comment s'habiller, en fait, avec ces temps-là. Puis en plus, moi, je monte à Paris la semaine prochaine. À mon avis, ça va pas être la même, hein. Donc voilà, voilà. Bon bah je vous dis à tout à l'heure et je vous fais des bisous. Tchuss. Raconte à papa tes misères que t'as eues. Tu racontes à papa les misères. Alors, t'as fait les pipis. Un bois ouvre le bobo, hein. Malgré les pattes, tu as eu bobo, bichette, hein. Puis elle a plein de dents qui sortent, elle a dit le docteur. Ah, voilà, on a déjà deux en haut, deux en bas. Et ça sort tout sur les côtés en bas et tout sur les côtés en haut. Ça va être poupounette. Alors c'est plus poupounette au cachico, ça va être poupounette au plein de chico. Oui, madame. Bientôt, t'en auras plus que ton père. Oui, madame. Bientôt, t'auras plus de chico que papa. Oui. Petite beauté, elle était courageuse, cette beauté. Hein, tu étais courageuse, jolie beauté. Quand le prochain vaccin, ça va pas être drôle. C'est lequel, le prochain? Non. Le RER. Ah, tu te souviens? Ah, ils font la fièvre. Ah ouais, ils nous ont tous fait 42 fièvres avec celui-là. En fait, ils nous ont tous fait des mini rougeoles avec. L'enfer. Et puis elle m'a dit qu'il y avait plein de coqueluches de nouveau en ce moment. Ah ouais? Et elle m'a fait écouter la toux d'un gosse qui a la coqueluche, c'est flippant. Ah ouais. Et elle m'a dit c'est une toux qui fait vomir tout le temps aussi. Ouais. Donc elle m'a dit c'est une toux qui fait vomir et il peut y avoir de la fièvre, mais pas forcément. En fait, c'est pas obligé qu'il y ait de la fièvre. Par contre, la toux elle est vraiment atypique, quoi. Tu vois, tu confonds pas ça avec juste une rhino où il y a quelques cannes de toux, quoi. Et puis c'est antibiotique, vu que c'est bactérien, c'est pas un virus, donc c'est antibiodirect. Ils font un test et puis ils savent, c'est ça. Tu veux où? Bon, Taï, elle est révoltée parce qu'elle en a marre. Oula, collée en kikiné. Cet après-midi chez le docteur, petite madame. Beauté, pouponnette. Allez, ça y est, elle commence à me décomposer les coussins. Oh, Eva. Où vas-tu, madame? Eva. Cartel, ouais. Cartel, laisse-la, t'es chiant, gros, là. Gros sac. Tout ça, tout le temps, il est après, là. Faites rigoler quand vous me dites, vous avez pas peur, c'est des gros chiens, c'est des chiens méchants, ouais, c'est vrai qu'ils sont hyper méchants. Sincèrement, moi, comme je dis, j'ai plus confiance en mes chiens qu'en l'être humain. Enfin, en plus, avec Maïna, je peux vous dire qu'ils ont un lien, mais très particulier. Depuis qu'elle est tout bébé, c'est un truc de fou. Hein. Ah, Berk, tu te dis qu'il était aussi petit qu'elle quand on l'a eu, lui. Et tu vois sa tête. Arrête de lécher. Tu vois sa tête maintenant, non, côté de la sienne. Donne-moi ça. Vous rendez compte que Cartel, quand on est allé le chercher, il tenait dans la doudoune à Alex. Hein. Dans le train, Alex le rangeait à l'intérieur de sa doudoune, petit père. Il est en train de dépérir, le petit Cartel. Et Blanca... Bah Blanca, elle était quand même deux fois comme lui, quoi. Puis maintenant, c'est lui qui est deux fois comme elle. Berk, on va nettoyer le visage et les mains, là. Tu regardes, elle est morte de rire. C'est les copains? C'est les copains? Ah, c'est calme, hein, quand ils sont à l'école, hein, quand même. Oh là là, qu'est-ce que c'est? Non, mais on essaie de faire un shooting photo avec Cartel. Non, mais lol. Montre comment il fait, quand tu fais... Comme ça, quand tu lui parles. Puis la jalouse là, la jalouse, le Seven est jaloux. Eh ça, ils s'emboucanent les deux là. Oui, vous êtes beau, vous êtes beau, vous êtes beau. Oui, beau. Oui, oui, oui.
Alors, c'est bon, c'est pas parce que t'as mué que... Tu sais, t'as vu, ça va pas être ce qu'il a mué maintenant. Hein, il a une voix grave et tout, ça y est, il la boit plus comme un roquet, là. Hein, Cartel? C'est fou, celui-là. Avec ses grosses pattes, sa grosse tête, là. Il faut rigoler, je vous jure, il faut rigoler. Alors, depuis hier avec Chabit, on est un peu perplexe sur une théorie que vous nous avez sortie. Alors, vous êtes balèze, voilà. Ah ouais, vraiment, vraiment, vous nous portez la poisse. Je vous jure, vous nous portez la poisse. C'est la première fois que je l'entends. Moi aussi, hein. Vraiment. Bravo. Bah non, pas bravo, quoi. Non, mais. Donc, en fait. Alors, depuis hier avec Chabit, on est un peu perplexe sur une théorie que vous nous avez sortie. Alors, vous êtes balèze, voilà. Mais vraiment, vous nous portez la poisse. Je vous jure, vous nous portez la poisse. C'est la première fois que je l'entends. Moi aussi, hein. Vraiment. Bravo. Bah non, pas bravo, quoi. Non, mais. Non, mais non. Je savais pas. Alors, vous savez, Poupounette, quand on fait des vidéos, je suis tout le temps PLS parce qu'elle nous fait des trucs, des dingueries. Là, elle met la tête par terre, les deux mains devant. En mode, on ne sait pas si ça va nous faire du break dance ou si ça va nous faire une roulade. Mmh. D'ailleurs, je vous ai fait une story juste avant. Donc, en fait, je vous explique. Donc, Maëna, vous savez que bon, bah, Maëna, maintenant, elle se met debout, elle va à quatre pattes, et puis, vous savez, elle s'appuie, elle se met debout toute seule spontanément avec des appuis, la table, le canapé, machin. Et des fois, elle fait des trucs. Donc clairement, là, j'ai plus du tout envie de... Donc, en fait, je vous explique. Donc, Maëna, vous savez que... Bon, bah, Maëna, maintenant, elle se met debout, elle va à quatre pattes. Et puis, vous savez, elle s'appuie... elle se met debout toute seule spontanément avec des appuis, la table, le canapé, machin. Et des fois, elle fait des trucs, donc... elle met ses deux mains en avant, par terre, elle pose la tête comme ça. Donc, en fait, je vous explique. Donc, Maëna, vous savez que... Bon, bah, Maëna, maintenant, elle se met... debout, elle va à quatre pattes, et puis vous savez, elle s'appuie, elle se met debout toute seule spontanément avec des appuis, la table, le canapé, machin. Et des fois, elle fait des trucs, donc elle met ses deux mains en avant, par terre, elle pose la tête comme ça, machin, au sol, comme si elle voulait faire une roulade ou du breakdance. Et quand même, vraiment, nous, on a beau avoir 9 gosses, on ne connaissait pas. On est venu nous dire à plusieurs reprises dans les DM que c'était un signe que sa maman était enceinte. Ouais. Voilà, que quand un bébé fait ça, c'est que sa maman est enceinte. Hein. Vraiment. Ben là, ça fait quand même plusieurs fois qu'on nous le sort en 24 heures. Donc vous m'avez rendu parano, je l'ai acheté un test de grossesse tout à l'heure. J'ai emmené Maëna chez le médecin tout à l'heure. Et après, j'ai acheté un test de grossesse. Donc clairement, là, j'ai plus du tout envie de rigoler par contre, mais vraiment pas. Hein. Je vous mets la petite photo là. Je la mets là. Pas bien. Ben moi non plus, je suis pas bien. Vous savez que j'ai eu des gros soucis au niveau de mes règles. Ces derniers mois, que je les avais plus. Je les ai re-eus, je les ai plus eus pendant des mois, machin. Donc voilà. Donc, Chabit, attends-moi. Oui, vous voyez, il est déjà en train de me répudier, le gars il se casse. Et lui il me laisse même pas passer sur le passage piéton. Mais je vous jure, dans quel monde on vit. Tu peux m'attendre, Chabit là? T'es exécrable. Ah, moi, mais toi, je vais te divorcer, toi. Non, par contre, bon. Voilà, c'est vrai que le trait est très clair, mais le trait est là. Par expérience, je sais que du moment qu'il y a un trait. S'il y a un trait, c'est qu'il y a Anguille sous roche, quand même. Sinon, il y a Walou. Donc on va voir ce qui se passe par la suite. On va parler, on va parler, on va parler. Hein. Ouais, pas le choix. Mais bon, donc on va voir comment ça. Après, peut-être que je sais. Enfin. Je sais pas en fait, je sais même pas quoi, je sais pas. Bon, ça, je sais même pas.
quoi dire en fait. Tu sais quoi dire toi? Je sais même pas quoi dire en fait. Tu sais quoi dire toi? Bah oui, on en reparlera. Hein. Moi je sais pas quoi dire là, maintenant. Non mais voilà, là à l'instant T on sait pas quoi dire, mais là vraiment je vous maudis là ceux qui m'ont sorti le truc que Maïna elle fait. Si elle fait du breakdance, c'est que je suis enceinte. Bah ouais, franchement, c'est vous êtes des fous vous. Mais en vrai sans ça j'aurais pas acheté un test de grossesse cet après-midi. Ouais, c'est vrai. En même temps. J'aurais pas acheté. Dans ça, sera mieux. Oui, parce que bon, vu qu'il est très clair, le trait c'est que c'est très tôt. Donc voilà, ça nous laisse quand même le temps de raisonner, parler, de réfléchir, voilà. Parce que bon, on parle pas d'un bébé, ou d'un deuxième, ou d'un troisième, on parle d'un dixième. Ouais. Et c'était pas du tout prévu au programme. Voilà. Donc quoi qu'il en soit, on vous tiendra informé de la suite à donner. Et aussi, dans, quel que soit le choix qu'on fera, ce sera le nôtre. Donc il faudra tout simplement. Donc on vous demandera juste d'être bienveillant et respectueux envers le choix qu'on fera, quel qu'il soit. Ouais. Que dans les deux hypothèses, il y aura des gens qui seront. Hyper malveillants comme d'habitude. Et ça n'a pas lieu d'être. Mais en tout cas, votre théorie là de roulade des bébés et que la maman elle est enceinte, méfiez-vous, hein, chouchou. Faites gaffe, si votre gosse il fait ça. Ouais. Méfiez-vous. Allez à la pharmacie direct, je vous le dis moi. On va faire des courses. Je suis fatiguée, tu m'attends deux secondes là? Oh, il m'exaspère. Attends, moi j'habite. Putain. Bon, ça... Elle va s'endormir, tu sais. Tu vas t'endormir avec les papouilles? Tu vas t'endormir avec les papouilles? Reste avec moi, va. Et elle s'endort, bichette. En plus, la pauvre, elle a eu ses vaccins. Elle va être chaos technique. On va prendre le petit Doliprane ce soir avant d'aller au dodo, ma vie. Hein, hein bibiche? Petite ma mère. Ouais, je sais, elle adore. T'as un petit massage du visage. Bah tiens, le petit Luna aussi, bah oui. L'enfant dormira bientôt. Allez, on va faire un gros dodo. Je le dis à la chanson-là, à toutes, à vous, à tous. Ouais. Je le dis à tous. Après, c'est, tu sais... Papa, il t'aime. Je commence par papa en premier. Oui, bah, parce que t'es très égoïste, on le sait. Tu sais, papa, maman, elle t'aime. Bah oui, mais on a déjà dit papa. T'es notre après. Bébé d'amour. Bah non, je dis maman aussi. Bah oui, tu sais, papa, il t'aime, tu sais, maman, elle t'aime, tu es notre bébé d'amour. Alors tu veux faire ton dos, l'enfant. De... Ouais. Danse, poupounette. J'avais tous eu droit à celle-là. Hein tous. Hein c'est la seule bébé. Oui, non. Bah oui, oui. C'est la seule fille, il y a toi, il y a papa. On n'est pas des bébés, nous. Non. Ah, c'est notre seule fille. Non, si c'est notre poupounette, elle est bébé, mais toi, avant d'être grand, tu étais bébé aussi. Donc toi aussi, t'as été notre bébé. Ben voilà. Vous êtes tous nos bébés, même si vous n'êtes plus des bébés, vous êtes tous nos bébés. Poupounette, elle est encore bébé. Mais toi, t'as été bébé avant d'être grand garçon. Luna aussi. Léna, Lina. Enfin, Lina, on ne sait pas. Bon, Luna, de tout. Regarde, regarde comme il est beau. Dédé aussi. Recule, Dédé aussi. Ah, le gratin de maman. Le beau gratin de maman. Oh, le beau gratin de maman. Il est beau ce gratin. Il est très beau mon gratin. Oui. Hein? Ouais. Qui c'est qui va se régaler? Alors nous, on en mangera après le live. Hein? Ouais. Et puis, bah, les loulous, vous allez passer à table, mes chéris. Non, c'est chaud. Vous allez passer à table. Luna, tu vas prévenir tes frères et sœurs au-dessus? Comment, chérie? À table, tu dis. À table!
Attends, nom de Dieu. On devrait mettre un interphone en bas de l'escalier, je te jure. Pourquoi tu montes sur la table, Chucky? On va te les donner, tes couverts, t'as pas besoin de... Oui, mais tu demandes, hein? T'as pas... On monte pas sur la table, t'as vu ça où, toi? Assieds-toi correctement. Comment ça soit à table? Assieds-toi correctement. Voilà, merci. On va te rapprocher de ta chaise et tu t'assois comme il faut. Mais oh.